Je ne courais pas sur le pont du Picoyo quand des gens sont statiques. Ça fait peur. Nouvelle formule, à la fin un peu des confinements, tout ça, il y a eu beaucoup de remises en question chez tout le monde. Les projets professionnels de tout le monde évoluent. On s'est mis d'accord pour faire évoluer le projet vers un truc à deux, pour continuer à faire vivre le projet et que chacun puisse vivre sa vie. Donc aujourd'hui, la belle vie à deux. Ça va bien. Hein. Ça va plutôt bien. Ce qui a été peut-être un peu plus compliqué, faire de la musique, on peut le faire seul, on peut le faire à deux, on peut le faire à dix, et ça fonctionne. Le live, préparer le live, vraiment, c'est le truc qui nous a pris le plus de temps, je pense. Mais sans que ce soit une galère non plus. Hein. C'est le début d'un nouveau cycle et on a envie de tout faire. Les concerts, ça nous manque. Là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On en tremble. On a trop hâte de vraiment retourner sur scène régulièrement. On a pas mal de morceaux qui sont en stock, qu'on va sortir progressivement. On a envie de donner plein de choses à notre public, quoi. Bah oui, hein. Mais comme chaque concert, je dirais. En même temps, on joue à la maison avec Terre Noire qui sont la famille. Donc c'est la famille plus la maison. On peut que se sentir bien, même si on est stressé. Et ça va être un super concert, j'ai trop hâte. Quand on était à 5 avant et encore maintenant, il y a quand même des artistes qui sont en trame de fond, qui reviennent. Bah, par exemple, Damso, il a toujours été un peu là et c'est un type dans la francophonie qui développe un truc. Même si on fait de la pop, la musique rap, elle fait partie de la pop un peu aujourd'hui et c'est un truc qui influence un peu, je pense, tous les artistes de notre génération, peu importe ce qu'ils font. C'est vrai qu'on a très envie d'aller à Paris aux côtés de nos artistes stéphanois et amis parce que là-bas tout va très très vite pour se développer. C'est une étape un peu obligatoire, en tout cas en France c'est quand même encore très très centralisé. Si on veut pousser le projet plus loin, on sera obligé de monter un moment. C'est une étape clé un peu. Venez nous voir le 20 novembre au Fil. Et dépêchez-vous, il n'y a plus trop de place, je crois. Je suis pas sûre.